Bienvenue aujourd'hui dans le premier épisode des Tortures Ancestrales. L'apothéose, le supplice de la chèvre. Voici les quatre candidats, tous venus pour la victoire. Qui de l'intrépide Turbo Tanguy, du fougueux Alan, de l'insaisissable Maxime ou du novice Victor va résister le plus longtemps? Le dernier candidat allongé sur sa table de torture a gagné le droit de casser la tirelire et de rafler la mise. La torture dite « supplice de la chèvre par chatouillement » était abondamment pratiquée pendant la période de la Rome antique. En effet, les Romains enduisaient le corps de leurs victimes de graines et une chèvre les léchait. On parle là de chatouillement insupportable, la crème de la crème. Et aujourd'hui, on a décidé de vérifier cette technique. C'est une vidéo exceptionnelle, restez bien jusqu'à la fin, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Ciboulette, j'ai été condamné à la torture de la chèvre car j'ai tué mon petit frère de 87 ans avec une aiguille à coudre. Bonjour, je m'appelle Alain Carcéré, je suis tombé pour trafic d'opium. Bah, je m'appelle Gravier Et voilà, j'aime bien la torture. Bonjour, je m'appelle Sylvain Wiltord. J'ai été condamné car j'ai tué et enlevé un cochon albinos. La torture va désormais commencer. Je suis armé d'un seau avec des graines dont raffolent les chèvres naines. Celui qui reste le plus longtemps a gagné. Cela va être dégressif. Dès qu'il y en a un qui s'en va, un autre concurrent revient dans la partie. Vous n'avez en aucun cas le droit de baisser les bras. Bras levés ou bras baissés est égal élimination directement. Possibilité pour se faire éliminer, c'est ou baisser les bras ou appuyer sur la petite clochette juste ici si vraiment les chatouilles sont insurmontables. Attention, c'est parti, premier candidat. J'en mets un petit peu ici, maintenant on va passer à la... Oh ah non, mais c'est bon. Aïe! On laisse le libre choix aux animaux. Ah non! Non, non, mais il y en a deux, c'est de la triche! Les gars, c'est bon, je m'occupe d'Alan. Les deux candidats sont très coriaces, les règles vont se compliquer. À partir de maintenant, les candidats ne vont pas devoir bouger un centimètre, sinon c'est élimination directement. Une main, un pied, la tête qui bouge, c'est mort. Pas bouger un centimètre, quoi, donc ça... Ça c'est mort, ouais. Voilà, ouais. Ça c'est mort. Si tu fais ça, c'est mort. Si tu fais... Et ça, c'est mort. T'as pas le droit de bouger. Non, mais même... Les pieds, arrête, mais moi, il y en a deux, tu veux que je fasse quoi? Eh ben alors, c'est la nature, c'est elles qui l'ont choisi. C'est fini. Avec tes pieds, elle fait comme ça. Ah ouais, c'est le jeu, hein. Désolé, Alan. C'est dur. C'était un peu trop facile, j'espère un adversaire plus coriace. Alan a perdu. Donc là, je peux... Du coup, il fait la boude. La première manche est terminée, maintenant c'est au tour de Turbo Tanguy et Maxime de passer sur la table. Laissons la nature faire les choses. Allez, voilà. On a le droit de bouger un tout petit peu là ou pas? Non, du tout. Zéro. C'est moi qui lui ai mis. Comment vous sentez-vous, Turbo Tanguy? Comme allongé au milieu d'une chèvre qui essaie de blécher. Laissons la nature opérer comme bon lui semble. Pas trop, Maxime, attention. Je bouge pas. Comme à la manche précédente, à partir de maintenant, nous ne tolérons aucun mouvement, le moindre mouvement, même insignifiant, et c'est terminé pour l'un d'entre vous. Attention, c'est parti. Oh là là. Je bouge pas. Oh, les couilles. Ah, Tanguy, c'est bougé. Elles peuvent venir et me ôter le... ce qui me cache l'entrecuisse. Regarde ça, tu m'étonnes, elles font toutes ça. Hein. Chèvres ou pas d'ailleurs. Surtout les chèvres, Max. Place à la finale. Les deux finalistes sont à ma gauche, Victor et Maxime. Alan, ne fais pas de mal à la chèvre. Hein. Non, tu te coucheras pas la chèvre, la petite guêpe. Tu me fais un bisou? Regarde. Oh. Victor, qui va gagner cette finale? Le meilleur. Maxime, qui va gagner cette finale? Qui vivra verra. Bonne chance, Maxime. C'est le meilleur. Que la finale commence! Le premier de vous deux qui bouge ne serait-ce qu'un orteil ou un doigt de pied est éliminé et l'autre est le vainqueur, bien évidemment. Oh, ça doit faire mal.
Pas de bras, pas de bras qui remontent un peu comme ça, ok? Pas de respiration. Pas de respiration, Max. Non, je suis bien petit sur le téton. Attention, il y a la deuxième chef qui vient par dessous. Arrête, arrête, t'as bougé. Maxime, les pieds ont bougé. Arrête. Je t'assure. Non, Max. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Les pieds ont bougé, Maxime. Maxime, il a perdu. Mais... Bravo, Victor. Bravo, Victor. Le vainqueur de la chèvre. La victoire, ouais, elle est pour Victor. On va aller au bûcher maintenant, hein. On va aller au bûcher. Eh, ce n'est que partie remise. Peut-être qu'un jour, je gagnerai un challenge, Inch'Allah. Victor? Oui. Tu es vainqueur. Tu as donc l'honneur de casser la tirelire. Yeah. Tu veux me la casser sur la tête, Victor? Ouais. Mettons. Pourquoi tu rigoles? Mettons une. Attention! Attention! Bien joué, mon pote! Merci! Bien, au suivant. Bien joué, Victor! Merci, Tanguy! Non, moi c'est Ciboulette. Victor, bravo pour votre victoire. La tirelire est juste ici. Je la dépose sur le tabouret. Très et bien. Je vous dépose le manche de la hache dans les mains. Très et bien. Maintenant, l'objectif c'est de casser la tirelire. Tape de manière horizontale, je t'en prie. C'est le tabouret de la maman Tanguy, donc tu tapes comme il se doit. Pas trop fort. Mais avec l'autre côté, hein. Ah. À mon coup de corne brune, vous avez l'honneur de casser la tirelire. 3, 2, 1. Ah. Et voilà. C'est où? Si vous n'avez pas mis de billet, ça va pas le faire. Hein. Bon, bah voilà, c'est fait. Non, Victor, en sérieux, pas d'argent pour... Quoi? Victor, pas d'argent non. pour ce mois-ci avec le Corona. Quoi? On a eu des problèmes en post-production, ça n'a pas joué. Allez, allez, faire foutre. Le sponsor, il paye pas. En attendant, il a abîmé mon tabouret. Tu me diras. Une dernière chose, si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle. Un peu, beaucoup, un peu plus, à la folie, passionnément, pas du tout.